my clothes sticking to me. I'd kill for a shower. Sorry, Riley. Not until the mission is over. I know. Just let me complain a little. God, I need a nap. Doesn't have to be cushy. I just want to get to sleep without hearing gunfire for once. Yeah, I know what you mean. Faites des rondes? Non? Marche pas dans ce monde? I'll go repair the Hoffman. Whoa, Miles, you can't even walk straight. Put it together. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est pas genre que ces 3-4 personnages. Il y a toutes les squads avec eux. Donc on est... je sais pas, une vingtaine, 25. Everyone's at their limit. We should relax while we still can. Yeah, you'd better get some rest. We need to resupply for our next deployment. Claude. Ugh. I know. We'll move out the moment we're done restocking. The Hoffman's out of commission, though. I'll go on foot. Don't. Huh? You don't have to. The operation's over. Wait, what? The Empire's retreating. They're abandoning the Zekefall line. That means... We did it! Sérieux? One. We broke the Zekefall line? Oh, yeah! Yeah! We got him, man! We beat him with our own two hands! We fought to the finish and came out on top! On a utilisé des tanks aussi. Mission complete. You were all amazing. C'est la fête! On a gagné! Enfin, plus ou moins. On a gagné une bataille, quoi. The Empire's retreat marks the end of the Battle of Zekefall, a narrow but decisive victory for the Federation. Although our casualties are innumerable, our supplies are all but exhausted. A relief effort is already in the works, and morale is still high on the front line. Tonight, the camp is alive with glory and triumph, as we celebrate a win that will go down in history. But tomorrow, we march, advancing further and further into the heart of the Empire. One step closer to the Imperial capital. One step closer to the end of the war. Yay! Yay. Chapter 5. Behind the front lines. Your perseverance at Zekefall has earned you this medal. It was a tough fight, but we both made it through. Balle renforcée. Listen up, everyone. I'd like to introduce a new member of Squad E. No. No. Call me Odin. Oh, the roster says Thomas Kevin. That man is long dead. Lily Ashley at your service. I wouldn't get too close, though. I've got a curse. Alors, allons voir ces nouvelles personnes. Ok. Alors toi, t'as vœu de courage. La proximité de Raël lui donne confiance et accroît sa défense et sa puissance d'attaque antipersonnelle. Ok, cool. Maintenant, absolution. La proximité de Claude augmente sa puissance d'attaque. Cool. Il est où Odin? Odin. Ah, c'est marrant, il y a écrit Thomas Kevin, mais il y a écrit Odin à gauche dans la liste. Alors que tout le monde utilise son vrai nom, lui il a complètement changé. Ok, Odin. Alors augmente précision de tir, charge sous le feu ennemi, fait paniquer l'unité, réduit son esquive, tire inévitable au sein de vos attaques. Ouais, que ça c'est là. Psychisme éternel. L'esprit d'un dieu est toujours en éveil. Quand ses PA sont épuisés, sa défense augmente. Ah, mais il se prend vraiment pour un dieu, ça tue. Se faire repérer par l'ennemi lui fait perdre son sang-froid et réduit sa précision de tir. Ah. Elle est où la maudite? En plus, elle s'appelle Lily. Alors, comme le démon. Mauvaise source une. Recevoir une altération de statut d'un tir d'interception augmente la puissance d'attaque anti-char et d'après. Quoi? Recevoir une altération de statut d'un tir d'interception augmente la puissance d'attaque anti-char et d'après. Okay. En moins de la moitié de ses PV, sa puissance d'attaque augmente. S'accroupir augmente sa précision. Compétence militaire augmente la précision et l'attaque quand aucun ennemi n'est à portée immédiate. Poudre noire humide. Les grenades de Lily ne font pas bon ménage, qui diminue la puissance d'attaque avec elle. La précision alliée diminue sa précision. Je sais pas trop quoi en penser. The battlefield calls to me. Risky move. On va prendre Odin et Lily en même temps. Enfin, on va en faire un groupe quoi. Je peux utiliser mon argent, j'en ai plein, s'il te plaît. Eh merde. Pourquoi on a aussi peu de choses à développer? C'est super bizarre. Bon, let's go. Attends. Ah, ils vont nous faire tous les clichés, hein. Ils vont nous faire tous les clichés, c'est sûr. On va faire l'escarmouche. Ah, c'est encore cette map. Ah, pas cette map. Kind of exciting. Indeed. Lock and load. I've got this. On va prendre Raël. My turn. On va les faire venir après. Squad E, move out. Ah, c'est de l'autre côté. D'accord, on défend. Okay, moving out. On a une échelle à réparer. I will see this through. Merde, j'ai pas mis d'ingénieur, je crois. Excusez-moi. Pardon. Watch my back. Got it. Lead the way. Let's go. Don't let anyone through. Concentrate all your firepower. En fait, c'est une idée à la con. Non, on va passer par là. This position isn't safe. We need to retreat. Got enemies here. Preparations complete. Ready when you are. Bring it on. Il y a un mec derrière. Ok, on a amené les deux en même temps. Cool. C'est con ce que je viens de faire. Pas mis de gens dedans en fait. S'il bouge, il meurt normalement. Voilà. Au final, ce serait mieux en antipersonnel. Elle serait complètement mieux en anti-personnel qu'en anti-tank. Parce que les tanks, j'ai pas vraiment de problème avec. Target confirmed. Don't waste any actions. Incoming. Lars, le moissonneur. Waouh. Here comes the pain. Attends, il est où ton moissonneur? Il est là. Ah ah. Ah, s'il bouge, il meurt. Putain, je crois. Ah ah. We can keep going. Ping. Ce serait bien que Kai lui tire dessus. Ah, presque mort, merde. Il a pas assez de bouger en fait. Ah ah, eh merde. Ah, c'est Curtis qui lui parle. Rentre! Ouh! Vache! Here comes the pain! You ain't going nowhere. Come on. All units advance. Easy. All allies have been taken out. Incoming. Commencing counterattack. Follow my lead. Il y en a du monde. Ouais, là, il nous faut de l'anti-personnel. Ça sert à rien, son truc. Pas ça sert à rien. Ça sert, mais... Didn't take much. Nice shot. Okay, moving out. I will see this through. Chier, lui. Le tank est trop avancé, va falloir qu'on... Va falloir qu'on fasse quelque chose. Faudrait qu'on détruise le canon anti-char. De toute façon, si tu loupais ça quand même. Oh, pas de ce côté, mais t'es sérieux? Ça par contre c'est une connerie du jeu ça. Il faudrait qu'elle se déploie de l'arrière du véhicule. C'est par l'arrière qu'on entre. Pas sur le côté super loin du véhicule. Ça c'est débile par contre. Parce que là maintenant on est dans la merde. Ça fait un peu chier. On a seulement un tir. Je suis bloqué. Aha! Tellement la merde, là on ne peut pas prendre ça. Ah, il nous fout vraiment dans la merde. On va le prendre après. Est-ce qu'elle va pouvoir courir jusqu'au drapeau? Caméra qui fait n'importe quoi. Okay. Bon, il n'y a que le canon anti-char à défoncer. Après, je voudrais bien savoir si elle se met en anti-personnel, est-ce qu'elle peut détruire les canons anti-char en un coup? Parce qu'à la limite, bon, ça c'est utile. take much more. Yeah. Eat this. They're ready. Commencing count. Fire! Nice. Keep up the good work. On doit défoncer le sniper dans la tour. Parfait. I'm on it. They're firing on us! Medic! We got trouble! We're getting you out. You're gonna be okay. No dying today. Eat this! Here it comes! Eh ben, elle a fait de la merde pour son premier combat. Y'a pas quelqu'un dans le... Non, personne. Donc ils peuvent toujours réapparaître derrière nous. Ça c'est cool. Ah, c'est terrible ça. C'est bien. Faut réparer l'échelle et descendre. Y a pas autre chose. On aurait pu le finir en 3 tours. Est-ce qu'on peut la réparer de là par contre l'échelle? Normalement oui. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que ça donne des points en plus de prendre les camps ennemis. We've taken the enemy base. Mission was a success. Ah, histoire d'escadron. C'est sûrement pour les nouveaux personnages. On va voir si faire une escarmouche rajoute des choses à développer. Je sais pas. Oh. Attends, on a presque 100 000. Non. Ok. Expérience. 16 000, ok. Un peu triste pour le moment, les lance-flammes c'est un peu pourri. Hein. C'est bien quand il y a plusieurs personnes côte à côte, mais il n'y a jamais plusieurs personnes côte à côte. Ça arrive jamais ça. Genre des mecs exposés qui vont pas te couper en rondelles parce qu'en plus le lance-flamme c'est du corps à corps. Enfin, c'est du corps à corps, c'est très proche. Ouais, c'est bizarre. Un peu nul. On n'a pas dû commencer par le lance-flamme.